Le Christ en parle de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Le Christ vient dans ce verset à l'égatif. Si quelqu'un prétend l'aimer, il faudrait qu'il garde la parole. Et c'est la réponse que Jésus a donnée au peuple de la loi. Dans la loi, quel est le grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième commandement est scandale au premier commandement. Simplement parce que Dieu est amour. L'important, frère et soeur, c'est l'amour. Et non la loi pour la loi. C'est cela que Jésus vient nous rappeler d'une manière nouvelle. Ce qui fait la parole de Dieu, c'est l'amour que nous y aimons. En effet, que va la prière et nos pratiques religieuses s'il n'y a pas un vrai amour pour Dieu? Chaque jour, nous sommes toujours engagés dans nos petites occupations. Mais s'il n'y a pas l'amour dans notre vie, cela ne sert à rien. Nous ne parlons que par l'amour et nous serons jugés sur l'amour. Dans l'évangile, frères et sœurs, Jésus demande à Dieu et le prochain, les deux vont ensemble. Il ne peut pas aller l'un sans l'autre. Aimer Dieu sans l'homme ou l'homme sans Dieu. Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère, nous le savons tous, c'est un menteur. En ce dimanche, frères et sœurs, Jésus nous demande la vérité d'être un menteur. Si nous posons la question en ce dimanche, est-ce que vous aimez Dieu? Je sais que nous tous, nous allons le dire. Mais Jésus nous dit en ce dimanche que l'amour pour Dieu passe nécessairement par l'amour que nous devons avoir pour nos frères. Car celui qui prétend être Dieu et qui n'aime pas son prochain, qui n'aime pas son frère, est un menteur. Donc, en ce dimanche, arrêtons d'être un menteur. On ne peut pas non plus s'occuper de son frère. Il y a beaucoup. Ils disent la religion comme dans l'amour. Et moi, je ne vais pas à l'église, mais je suis l'amour. Je suis charitable, je suis généreux. Je dis du vide. Mais il faut aussi aimer Dieu. C'est vrai, nous chrétiens, notre manière d'être, notre manière de vivre, passer de longues heures en prière
Vers Dieu et vers les autres.